Ouais, salut les amis, bah j'étais à Action, puis j'ai trouvé une petite voiture radio commandée. Donc ça se présente comme ça, c'est sous forme d'une canette. Oh, vous voulez pas voir comme ça. Oh, je vous la mets comme ça. Je l'ai pris noir en 40 MHz, il y avait une 27 MHz aussi en fréquence. Donc ce qui permet de jouer à plusieurs. Donc je l'ai déjà déballé, j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, donc on trouve des plots. Voilà, des petits plots pour faire un circuit. Il y en a quatre. Et puis la voiture, bah, elle est livrée sur son socle. Il y a l'antenne dedans. L'antenne de réception. On la visse comme ça. Et voilà. La voiture, on l'enlève comme ça. Voilà la voiture. Je l'ai pris en noir, il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du vert, du rouge. Donc voilà, c'est une petite voiture comme ça. Elle est toute petite. Donc derrière dessous, il y a un petit bouton pour l'allumer. Voilà. Petit bouton rouge là, off-on. C'est assez sympa. Bon, c'est une micro-voiture, quoi. J'ai trouvé ça rigolo. Ça coûte 8 euros. Donc, il y a les phares qui s'allument devant, derrière. Voilà, voiture canette. C'est une toute petite voiture en fait. On peut jouer sur la table avec. Voilà. Avec sa manette. Donc il y a les boutons pour avancer, tout ça. Avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche. Ça marche avec deux piles AA, donc LR6. J'ai trouvé ça sympa, un petit jouet sympa pour Noël. Bon, je me suis fait plaisir, hein. Moi je suis un grand gamin, donc. Voilà. Donc on peut la remettre comme ça et puis la ranger dans sa canette. Ça prend pas de place, un tout petit jouet, puis pour 8 euros, bah, ça va pas chercher une grande somme, quoi. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. C'est sympathique dans sa petite canette. Donc il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. Moi, je l'ai pris noir. En plus, c'est bien décoré, je trouve. Elle est assez bien décorée. Quarren 350Z en voiture. C'est marqué quoi là? Apodel Click Mobile. D'accord. 24. Ouais, ça, c'est cool. C'est assez bien fini quand même comme jouet. 2013, à mon avis. C'est sorti en 2013, je sais pas. En 2013, les accus, parce qu'il y a un petit accu dans la voiture qu'il faut recharger avec la prise. Là, il y a une prise dedans qu'on connecte à la voiture en dessous pour la recharger. Donc voilà, bah, c'est assez fun, quoi. Un petit jouet pour vos gamins. Je trouve ça mignon, moi. Ça change des grosses voitures. Allez, à bientôt, bonne soirée!